Les Coldwind Farm. Salut! Youhou! On danse! Ah, c'est déjà bloqué? What? L'air dégueu celle-là. On peut commencer par chez les obsessions. Qui a pété. Quand on passe de un add-on de portée à pas d'add-on de portée, ça fait un peu bizarre. Ok. Ah, il y en a deux qui ont proc. Ok, on va avoir le temps d'aller tout là-bas. Intrigant. Ok, il y en a là-bas. Ah, ils l'ont fait. Nice. Ça, c'est cool. Un peu un cul-de-sac ça madame. Ok, on va retourner là-bas. Ouais, c'est pas Midwich hein. Coldwind Farm c'est plus compliqué. On est contre des survivants efficaces. Ha 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 ha!
Ah non! Nice. Oh, plus qu'un moteur déjà. Ça va vite. Te voilà toi, j'ai besoin de toi. Vite fait. Elle avait le temps. Le temps de rejoindre la palette. Par contre là... Ah bon, c'était pas derrière moi ça. Bon, pendant ce temps vous réparez pas. C'est qui ça? Ok. T'en as encore une. Je sais pas vraiment où donner de la tête. Ça c'est Meg. Meg, ça m'intéresse. Ah, les Cold Wild Farm. I'll save the best for last. J'aime pas ça. Nice. Viens là, toi, j'ai besoin de toi, vite fait. Enfin, nous y voilà. Le truc c'est que là ils sont dispersés. Faut que je trouve Meg. Qui est là? Attends, mais what? Ah. Salut! Nice. Faut vraiment que je trouve Meg. Hein. Genre vraiment. Vite!
Nice, tempête impitoyable. Impitoyable. Pas de temps à perdre avec toi. Sérieux. Nice. Heureusement que j'ai 30% de déflagration. Bon, au moins, ils ont pas pu ouvrir les portes. Il faut qu'on la tue vite. Et après qu'on fonce. Vite. On voit rien avec ce maïs. T'es une vraie grenadière, toi. Parti à l'autre bout, j'imagine. T'en vois rien, quelle map. Je ne sais pas où est Rebecca. Dans tous les cas, 3 kills, c'est une win. La game était fun en vrai. Après, c'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait, tout à fait. C'est dommage que je vois pas les hallucinations. Elle est pas censée laisser des hallucinations. Même en T2. Je vais attendre mon pouvoir. Non, elle n'est point là. De l'autre côté, du coup. Rah. Sapristi. Vous êtes pas foncé sur la porte, vous êtes pas folle. Vous n'êtes pas folle, pas tout à fait. Ok. Je sais qu'elle est là-bas, quelque part. Elle s'est repliée près de l'arbre. L'arbre à vache. Là-dedans, peut-être. Non. C'était caché. Ah, un corbeau là-bas. Vu! Mais la vache, mais c'est une ninja. Rebecca la ninja. Hein, que t'es une petite ninja, toi, hein. Je perds un peu de stock, mais c'est pas grave. Je sais ce que tu vas faire. Ah, je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai assez? Oui! Alléluia! Eh ben. On s'est battu pour ces 4 kills, dis donc.
Oh, j'ai pas changé mes charmes sur, sur le docteur. Nice. Ce build est très fort. J'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai commencé à le jouer et... franchement... il est efficace. Nice. GG wellplay. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est que Tempête impitoyable, on stack de la folie sur les survivants. Tempête impitoyable fait que on sait quel quel moteur est, est en train de d'être bien avancé. Du coup on y va, on leur met quelques coups de batte, on stack du gardon meilleur pour la fin, parce que c'est une bonne perk sur le docteur. Into, il faut réussir à en choper un, le mettre sur un crochet. Hop, vous avez le tour rejoué. Très efficace parce que le moteur qui est juste à côté avec Tempête impitoyable est bien avancé. Donc vous rentabilisez à fond le tour rejoué. Une petite éruption parce que ça fait pas de mal. Pour mettre pour ne pas juste que dépendre de le tour rejoué. Mais aussi avoir un peu de pression avec éruption. Puis voilà, c'est très efficace. Le seul bémol, c'est que moi j'aime beaucoup quand même la portée supplémentaire sur, sur les attaques électriques. Donc voilà, la place de contrainte, voilà, à la place de 1 des 2 on va dire, peut-être plus contrainte que discipline, mais un petit add-on pour augmenter la portée. Voilà, je vous conseille ce build si vous voulez, comment progresser un petit peu avec le grade de tueur, parce que voilà, ce build est il est sympa, il est assez fort. Si on joue bien avec Tempête impitoyable, c'est cool.